Je vais faire un clap. Bonjour! Bonjour! Oui, alors, je ne suis pas chez moi, je suis avec Rubis. Bonjour Rubis. Bonjour. Oh, putain, okay. Heureux de vous voir, enfin. Ah oh, oh, oui. Après tant d'années! La rencontre! Oui! Et, est-ce qu'on peut dire que c'est la vidéo du ghetto? Franchement. Oh, on va dire Squeezie 2014. Voilà, alors, on va, je vais être sérieux un moment. Là, il y a un PC. Là il y a la caméra, là il y a un deuxième écran qui ne sert à rien. Qui sert à rien. Pour le moment. Pour le moment il ne sert à rien, peut-être qu'il servira. Ouais, parce que le jeu qu'on va faire là tout de suite, on dit ouais bah je t'en fenêtré, et puis après bah il dit nique-toi, et puis finalement c'est sur le PC, et puis bah finalement on est niqué quoi. Donc du coup, je suis chez Robius pour les quelques jours, et je lui dis je vais te ramener des jeux, vraiment, et tu vas les essayer. Alors. Je vais montrer les jeux, je voulais garder la surprise, mais je vais montrer. Et il m'a dit, ouais, je vais faire celui-là en premier. Ouais. Qu'as-tu choisi? Eh ben, j'ai choisi Blair Witch. Ah, ce fameux Blair Witch. Alors Blair Witch, viteuf, un film. Un film, un très très bon film horrifique, voilà. Fantastique. Le fan footage, évidemment. Edge, hein. Et surtout, un film que ça fait longtemps que j'ai pas vu, et qu'il faudra peut-être que je me regarde à nouveau. Je suis pas tout seul. Il y a eu quoi comme jeu? Il y a eu le jeu récent où on est dans la forêt avec un chien, on doit retrouver quelqu'un. Sauf que, ce que personne ne vous dira, parce que peut-être que tout le monde a oublié, c'est que Blair Witch sur PC, il y en a eu 3. Et moi je le savais pas. Donc là j'ai les 3, pour l'instant j'ai que le premier. J'ai fait que le début pour les réglages. Tu n'as jamais fait? Non. T'as surtout, tu n'as jamais fait tout ce que tu veux voir? Non, la seule chose que j'ai fait de Blair Witch, c'est regarder le film. C'est tout. C'est déjà. C'était il y a longtemps. C'est déjà pas mal. Alors, du coup, ce que je te propose, c'est que on lance le jeu. Ouais. Tu vas y jouer. Ouais. Et puis on va voir. Ouais. Hein? Alors, non, c'est ça. Est-ce que tu as des attentes sur ce jeu? Bah, j'imagine. Jeu d'époque, horreur, j'imagine des caméras fixes, hein. Oui. La tout premier Resident Evil. Puis, vu que, enfin, du moins de ce que j'ai entendu parler de ces jeux Blair Witch, c'est un mélange un peu survival horror et enquête. Il y a de ça. Donc ça risque d'être sympa. On se rapproche plus du premier Resident Evil, sauf que on est vraiment dans la ville de. Alors attends, que je n'oublie pas, Rustin Parr, voilà, quand même. Donc on est en 1914. On va incarner un personnage et déjà, spoiler, on va pas retrouver grand chose du film au départ. Non. À moins que c'est un élément que j'ai oublié. Donc je t'en prie, tu peux démarrer. Allez. Ça se joue avec le clavier. Ah oui, c'est vrai. Ça se joue avec le clavier. Déjà, on va aller dans les options. Est-ce que tu es prêt pour ce jeu? Oui. Eh bien, dans ce cas, je t'invite à faire démarrer. Attention. C'est parti. Voilà, choisis. L'enquête. Non, alors, on choisit le scénario parce qu'on peut. Et la difficulté. Alors, je dirais... Bon, on va partir sur du normal. Très bien. Est-ce que tu... Attention, c'est parti. Parce que là, le passé. You've been prepped and disarmed. Do you have anything to declare before execution, Dr. Holloway? Ah bah je regarde. I'm ready. Very well. Le passé. Enter through the gate on your right when it opens. Ils ont bien retranscrit. Hein. Ouais. Bon, par contre, le déplacement camion, je pense pas que ça soit. Ouais. Voilà. Alors on est sur ces jeux où c'est le début des années 2000. Alors voilà. Le fameux. Cliquer à l'aide. Voilà. Incroyable. Ça va, les déplacements, ils sont pas dégueux. Voilà. Les caméras, évidemment. On n'oublie pas les caméras. On n'oublie pas les fameuses caméras. Est-ce que ce sont des nazis? Je ne sais pas. Je... Ah voilà. Ah, l'action. Action. Ah, Oula. Non, c'est normal. T'as quitté le capté, c'est normal. Les coups de feu. Ah, j'ai la main sur la souris, prêt à dégainer. Mais il n'y a pas de QTE aussi, ça peut être sûr. Les QTE en 2000. Les QTE. Dreamcast. Pas pareil. Ah, mais c'est des QTE. Ah, tu vas dire quoi maintenant, hein? Attention. Ouais, et ça va, hein. Ça va. Donc tu regardes la jeune femme qui va passer un test, un entraînement. Voilà, je te laisse chercher où c'est mentionné dans le film. Moi j'étais pas au courant. Peut-être que c'est mentionné dans un des nombreux bouquins et
les produits dérivés. Ah, puis moi, je t'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film Blair Witch. Voilà, le cliché chinois. On appuyez sur la touche échappe pour accéder aux options. Voilà, donc maintenant, il faut ramasser un objet. Alors, aller du clic gauche pour aller jusqu'à l'objet et le ramasser. Alors, donc, tu as un objet. Voilà, alors il faut bien y aller sur l'objet. Hein. Voilà. Ah oui, alors, voilà, il faut se mettre devant et ensuite le ramasser. Il faut... Ça commence, hein. Ça commence, et là, c'est que le début. Et là, c'est bien ça, l'objet, là. Alors, il faut que tu te mettes vraiment devant et ensuite que tu cliques dessus. Là, elle va faire un demi-tour à chaque fois. Est-ce qu'on l'est pas bien? What follows is a brief construction montage. C'est quand même fou, quand même, ce qui se passe. Bah, j'ai réussi. Bravo. Je sais pas comment j'ai fait, mais bravo. Je vous jure, quand j'ai alors, fait, je suis arrivé. Alors, par défaut, touche C. Voilà. Est-ce que tu es prêt à courir? Ah. Il va falloir maintenant utiliser le clavier. Alors, le clavier, il est un petit peu loin, ce qui fait qu'on va plus trop de voir. Ouais. Voilà, alors attention, il va falloir faire deux choses. Il faut activer l'interrupteur et ensuite courir. Exécuter l'action. Voilà. Alors pendant que tu fais ton action, je pose ça là. Ah bah oui, hein. Ah bah oui. 2000, les années 2000. Ah là là. Est-ce que tu les sens bien, les années 2000 là? Ah oui. Alors, est-ce que tu... alors attention, vas-y. Non. Non, on va y arriver. Allez. Non, ça veut dire que t'es mal placé. Voilà. 1 minute 37 seconds later. Oh putain. Ah oui, cours. Run. Vite. Cours, utilise ma mèche droite. Vite. Vite, attention, il va y avoir du vide. Là, il y a du vide. Si tu tombes voilà. Oh bravo. Donc première scène d'action. Alors là, faut que tu ramasses, il y a un objet juste en bas. Voilà. Alors, quand c'est rouge, c'est que tu peux tirer. T'es sûr que c'est de gauche pour actionner un truc, c'est pas droite. Réessaye touche droit sur l'autre. Non, sur l'autre en bas. C'était droit depuis le début. C'était le droit, bravo. On a mal lu. Alors, tu peux tirer. Alors, tu as un pistolet. Quelle arme incroyable. Alors, faut que tu dégaines avant. Alors. Est-ce que tu sais comment dégainer? Alors, il avait marqué la touche insert. C'est pas ça la touche, hein, c'est... Alors... Dégainer, c'est le... C'est le zéro. Ah, c'est E. Voilà. Ah oui, un cerf, il est marqué là. Bravo. Num 0. Ouais. Et là, maintenant, faut faire piou-piou. Non. Voilà. Attends, petite histoire sur l'arme, quand même. Alors, Luger P08 portant une torche, balles sont chargées. Et il est tombé. Ciblage ectoplasmique. Ah oui. Ah, alors voilà, ouais, un petit peu d'histoire, hein, quand même. Voilà. Et là, il y a une porte qui s'est ouverte. Est-ce que tu as pris ce qu'il y a dans la caisse? Non, faut ranger l'arme maintenant. Ah oui, merde, faut ranger. Voilà. Maintenant, faut prendre ce qu'il y a dans la caisse. Regarde, tu as découvert 30 balles. Waouh. Nous sommes dans un survival horror. Normalement. Voilà, et alors maintenant, tu as vu, il y a une porte, il faut y aller. Voilà, alors par défaut, ton personnage va marcher. Et si tu veux courir, c'est mage. Lunettes de vision, on est bien en 1910 et quelques, hein. Ah ouais. However, always beware the danger of bodies of water. Méfiez-vous toujours des plans d'eau. Vos lunettes voient à travers l'eau comme s'il n'y en avait pas. N. N par défaut. Donc, est-ce que... Et F pour la torche. Donc on a NF. N. Ouais, alors j'ai une touche à moitié pétée sur mon clavier. C'est normal, il faut bien appuyer dessus. Non. Il va me la péter. N. Voilà. Ah, attendez. Voilà, nous sommes en vision nocturne. Wow. Est-ce que c'est beau? Et là, tu peux pas avancer par contre. Donc ça, c'était la touche N. Maintenant, si on fait la touche F, on a une torche. Wow. Ce qui est beaucoup mieux. Est-ce que déjà, tu sens la peur? Ouais.
sans la peur. Non, là il fait noir. T'es perdu. Vas-y, explore bien. On sait jamais. Ah, je crois que ça veut dire que tu t'es raté. Je crois que t'es tombé. Alors, pour remonter, bonne chance. Voilà, faut remonter l'escalier. Oui, j'ai réussi. Ouais. Ouais. Allez, maintenant, faut appuyer sur l'interrupteur. Mais range-toi. Appuyez sur l'interrupteur. Bon. Mais comment ça se passe avec les portes, du coup? Un coup de fusil à pompe. Je sais pas, moi. Donc là, on recommence du début, quand même. Est-ce que t'en es conscient? Non, t'es pas sérieux? Ah bah si, hein. Voilà, ça, c'est la chaise. Ouais, ça va, on est que à... Elle me dit pas qu'il faut que je recours? Non, c'est bon, non, c'est... Non, t'as failli retomber. Fais gaffe. Fais gaffe. Non, tu peux maintenir, hein, t'en fais pas. Voilà. Comment t'as fait? Ah, je crois qu'il fait tout noir. Ah. Ah, on me l'avait jamais fait ça. On me l'avait jamais fait. Pas mal. Bon. Bon bah. Ruby. Drobius plutôt. Est-ce que t'aurais pas softlock? Est-ce que t'aurais pas softlock? Oh mon dieu. Non mais bravo. Moi je crois qu'on va en rester là avec Blair Witch, hein, parce que. T'es sûr hein? Attends, j'ai pris une arme, j'ai tiré avec, j'ai tué un ennemi. Moi je dis, j'ai fait le minimum syndical. Non mais, on est au jeu. J'ai réussi à un softlock. Eh, si ça c'est pas génial. Non mais dis-toi qu'au dessus, si tu montais l'escalier, il t'apprenait à tirer en te déplaçant en même temps. T'aurais raté un bout du tutoriel. Ouais mais j'ai réussi à me softlock. Et c'est beau. Bon, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. On va s'arrêter là. Ouais. Du coup, là, ce Blair Witch, est-ce qu'il tente si jamais tu veux le réussir? Bah si j'arrive à me softlock encore au tutoriel, moi je dis non. Non. Je pense que je vais me contenter du film. Écoute, tant mieux. Si jamais tu essaies le nouveau, qui doit être beaucoup plus facile, je pense. Au moins, je pense que j'y arriverai le tutoriel. Et ça se trouve, tu as softlock avec le chien. Ah purée, ça serait tellement con. Mais possible. Sortez des patchs, vite. Bon, eh ben on va tester le deuxième jeu, qui arrivera sûrement après. Un mot pour la fin de celle-ci, cette vidéo-là. Essayez de comprendre le tutoriel. Ouais. Si vous voulez essayer, il est sur Abandonware, en français, il marche sur Windows 10. C'est d'ailleurs la version que j'utilise actuellement, parce que la version CD a quelques légers problèmes que je t'ai pas montré. Mmh. Notamment les textures. Ah. Tu vois les textures qui se barrent? Ah oui, quand même. Voilà. Et bah du coup, merci. Et surtout, si vous avez réussi le tutoriel, mettez-le en commentaire. Parce que là, c'est... C'est bon. C'est beau. C'est beau, c'est... C'est limite de l'art, tu vois. Ouais. C'est de l'art. On voit toujours la cible. On l'a toujours. On voit la flèche. Le pire... Hey, je veux juste essayer un truc. Non. Non, c'est pas le bon point insert. Voilà, le point insert. Ah, on peut tirer. On peut toujours tirer. Vas-y, tu peux t'amuser maintenant. Et bien, merci d'avoir regardé. Et puis, prochaine vidéo, prochain jeu. Mm-hmm. Quel est-il pour l'hype? Ah, je dirais... Imaginez Doom en moins bien. C'est très méchant ce que tu dis. Mais vous verrez bien la prochaine vidéo. Des bisous et abonne-toi. Mets ton meilleur pouce bleu, ton meilleur commentaire et mets ta meilleure cloche. Voilà. Bisous. Bisous. Oh là là. Je sais pas comment t'as fait. Je ne sais pas comment tu as fait.